Dorian De Soleil, quel est le sentiment après ce match nul ici à Eupen? Mitigé, parce que je pense que cette première mi-temps qu'on produit est plutôt pas mal, je vais dire, avec pas mal d'opportunités, avec un but qu'on marque très, très rapidement. Après, voilà, on n'a pas eu le sursaut qu'il fallait pour pouvoir marquer ce deuxième but et nous mettre à l'abri. Après, voilà, c'est comme le coach a dit, malgré qu'on ne gagne pas, c'est important de ne pas perdre et on retourne avec qu'un point de peine, alors qu'on sait très bien qu'il y a pas mal d'équipes qui ont perdu des plumes ici. C'est donc un petit manque de réalisme ce soir? Moi, je pense que c'est un petit manque de tout. Je pense, oui, de réalisme, parce que je pense qu'on a eu les opportunités. Après, je pense aussi un peu de technique, parce qu'il y a eu pas mal de déchets pendant ce match. Mais je pense que c'est plutôt dû au fait que ce soit un match de reprise qui ait plus de déchets. Défensivement, enfin vous, en tant que capitaine et défenseur, qu'est-ce qui s'est passé sur le but de peine, en fait? Ben, je pense qu'on a été surpris par... je veux dire, la malchance de Nicolas sur le dégagement. Et puis après, on va dire que l'attaquant joue très bien son rôle, il contrôle très vite la balle et il arrive à shooter très rapidement. Donc voilà, c'est bien joué de l'attaquant. Il a été efficace, on va dire. Après, tout simplement, on n'en veut vraiment pas, Nico. En même temps, vu tout ce qu'il a déjà sauvé, l'écoute, c'est clair qu'on ne peut rien lui reprocher, quoi. Exactement, c'est comme tu viens de dire. Il a tellement sauvé de points cette année qu'on ne peut pas lui en vouloir après. Après un truc pareil, parce qu'au final, il a voulu aider l'équipe en jouant très rapidement. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, comme je l'ai dit, Nico est un très gros professionnel. Avec l'âge qu'il a, on sait très bien qu'il va très bien réagir et qu'il va relever la tête. Comme on disait avec Massimo, les playoffs, enfin, en tout cas la fin du championnat, de la phase classique, ça va aller très très vite. Oui, ça va aller très vite. Je pense que ça se finit fin mars, je pense. Après, les matchs vont s'enchaîner. Ça va être à nous de nous remettre en question à chaque match et de faire les meilleures prestations possibles pour essayer d'engranger le plus de points possible.